I don't want to set the world on fire. I just want to start. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Champak pour continuer les aventures de Tenko dans Fallout 3. Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, j'avais eu un petit problème de son, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup, j'ai dû faire un petit peu comme j'ai pu. Oui. Et. Oui. C'est bizarre de revoir Fallout 3. Hein. Ouais, surtout après Skyrim. Ouais. Et là, nous allons continuer la quête. Donc, j'allais peut-être pas montrer ça, donc je vous laisse lire ça. Chaque Amazon doit passer cette épreuve comme test final. Derrière l'hôpital, il y a une maison que nous avons rénovée. Là-bas, la réponse précède la question, mais tu comprendras sur place. Ah, en plus, c'est bien, c'est français. Salut. C'est agréable. Ouais, c'est téléchargé sur la confrérie des traducteurs. J'avais peut-être laissé le lien, je me rappelle plus. De toute façon, c'est facile à trouver. Alors attendez, par où on sort déjà? Ça fait longtemps que j'ai pas été dans ce putain d'hôpital de merde. Salut. Ça fait, ouais, comme un abri, il est sous terre, non? Non, même pas, c'est juste un hôpital qui est un petit peu sous le skin de l'abri. Ouais. Hôpital, je sais. Nuka-Cola. Je suis vraiment désolé, je me souviens plus du tout où est la sortie. Ah si, je crois que c'est là. Ah oui, c'est marqué exit en plus. Ah oui. Ils ont bien mis les choses comme il faut. Alors, allons-y, sortons. Ouais, c'est un mode que je connais pas du tout. Alors, oui, non, normalement, faut aller sur le PC, mais ça me fait chier. Voilà. Ouais, pas bien, pas bien. Ouais, mais c'est une perte de temps, c'est chiant. C'est vrai. À chaque fois, le truc, il faut le désactiver. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas vu ce jeu tourner. J'ai joué quand même pas mal d'heures à Fallout 3. Ouais. C'est un jeu que j'aime bien. Ouais, très très bon jeu. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, ça fait plaisir aussi. Parce que c'est vers la capitale. Ça. Alors, je montre un petit peu où c'est sur la carte pour Champak et puis pour ceux qui prennent en cours. Ouais, non, c'est pas loin de. Voilà, on est là. Pas très, très loin de. Donc, ils ont dit derrière l'hôpital, il y a une maison rénovée, donc il n'y a pas de marqueur, il va falloir trouver ça un peu nous-mêmes, mais c'est derrière la maison, donc derrière l'hôpital. Ça va pas être trop dur à trouver, j'imagine. Donc, avant, tu as fait beaucoup de quêtes Ouais, il y a pas mal d'épisodes sur les quêtes de. Ah. Oula. Bon sang. Ah, c'est juste. Un robot. Un iBot. Ah, il détruit des iBots. Ah, ouais. Voilà. J'aide, hein. Écoute. Ouais, donc il y a pas mal de quêtes au niveau de l'Amazonian Hospital. Après tout, c'est une sorte de guilde. D'accord. Une sorte de guilde rajoutée au jeu et voilà. De toute façon, les quêtes sont intéressantes pour l'ensemble. Ouais, ça va. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Par contre, c'est. Bah, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est dur à montrer en vidéo, quoi. Ouais. Parce que certaines quêtes sont longues, certains endroits sont durs à trouver. Ouais. Il y avait des passages où je devais suivre. Genre, elle, là, je devais la suivre à un moment, je crois que c'est elle. D'accord. Ouais, ça doit être elle. Je devais la suivre et c'était assez chiant parce qu'elle se paumait, elle avait du mal au niveau des murs, des fois à foncer dans le mur comme ça si tu veux. D'accord. Donc c'était pas forcément évident. Ah, c'est bloqué, ouais. En fait, je suis en train de penser, c'est la première fois que, enfin ceux qui suivent uniquement, oh, elle, effectivement elle a été rénovée. Pas mal. C'est. Ah. Ça fait comme quand on va on retourne dans le passé, ouais, c'est bah noir ouais. Et blanc là. C'est même, Sauf qu'ils ont pas mis en noir et blanc. C'est mis en couleur, ça permet de voir comment c'est en. Voilà. Je crois pas qu'on voyait dans Fallout 3. Non, couleur, ouais, on voyait pas en couleur. Donc oui, je disais, c'est la première fois que vous voyez Champak dans une vidéo de Fallout 3. Ah, enchanté d'ailleurs. Hein. Oui, parce que bon, il apparaît dans de nombreuses autres séries, mais peut-être que certaines personnes suivent uniquement Fallout 3, on sait jamais. On sait jamais. Ouais, ça ressemble vraiment au skin des maisons habituelles, avec le rouleau à pâtisserie. Ouais. Alors je sais pas trop. La gazinière, ouais. C'est un petit peu bizarre. Ouais. Et elle est en train de bugger. Je peux même pas lui parler apparemment. Ah ouais. Si, je peux lui parler. Ah c'est un docteur. Je me souvenais plus que Salut. J'avais un autre compagnon que. Ouais.
Donc je peux prendre ça? Ah ouais, je peux. Sympa. Et je peux pas fouiller dans... Non. Donc là, je peux vraiment... ouais, je peux aller à la cave. D'accord. Bon, il doit sûrement y avoir une énigme cachée dans ce... dans cette petite baraque. Ça a pas l'air évident quand même, hein. Dans un premier abord. Ah. Là, il y a une clé. Ils disent même pas en plus que tu peux le prendre. Enfin, c'est pas... Ouais, ça doit sûrement être parce que c'est une maison... Là. On peut tout essayer en fait. Récupère un petit peu de vie. Je peux même pas allumer le Pip-Boy. Ah. Je peux même pas aller dans le Pip-Boy. Et je peux pas dégainer d'armes non plus. Et je peux pas aller à la troisième personne. Bizarre. Oh! Oh! C'est spécial ici. C'est glauque. La confrérie noire ou... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Avec des néons et tout. On pourrait croire. La confrérie noire du futur, tu sais. C'est limite flippant. Ouais. Ouais, mais alors là, je vois pas du tout ce que je dois faire. C'est l'énigme totale. Je peux passer. Oui, je peux. Je peux te sauter un petit peu, mais je peux passer. Je sais pas où je vais. Oh putain! What the fuck? Waouh! Ah, peut-être que les personnes fait non, parce que c'est décarbonisé. Mais moi, le feu ne fait rien. Je peux passer. Je peux passer, je peux continuer ou pas. Je... Non, j'avance plus, là. Oula! C'est quoi ce bordel? Where will you be when the locust comes? C'est quelque chose qui rappelle la catastrophe. Putain! Waouh, chapeau le... Pas mal, hein. Il a fait un truc pas mal du tout, ouais. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça dans ce mode, tu vois. C'est surprenant. Enfin, ça, on s'y attend pas. Et ouais. Tu te souviens, la réponse précède la question, ça doit sûrement être en rapport avec ça. Alors, peut-être que tu retournes, peut-être. En plus, il indique une direction, hein, c'est vrai. Ouais. Peut-être que je retourne en arrière, tout simplement, ouais. Ouais. Ah, je crois que je suis coincé. Ah, non. Pas coincé. Il y a les tombes qui doivent cliquer. Ouais. Ah, c'est étrange. Étrange. Ouais. Ah. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est une musique, là. Oula. Oula. Ah, je suis de retour dans ma chambre, on dirait. Cher joueur, joueuse. Voilà, moi, on va je voir. Pense que cette quête est vraiment pas mal. Cher joueur, joueuse, je tiens à te remercier d'avoir joué à mon mode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à y jouer que j'en ai eu à le réaliser. Les lieux de mission sont désormais librement à ta disposition dans le jeu et certaines se repeuplent périodiquement de monstres. Si tu as aimé mon mode, s'il te plaît, fais-le savoir sur le forum cordialement W41Z. Il faut savoir que cette personne suit mes vidéos de test sur ce mode parce que j'ai eu des commentaires de sa part. Ah, c'est sympa ça. Donc, bah, j'ai bien aimé ton mode. Je peux te le faire savoir si tu continues à regarder. Moi, j'en ai pas vu énormément, mais de ce que j'ai vu, je trouvais ça. Bon, la dernière quête était un petit peu courte, donc du coup, la vidéo sera très courte. Mais bon, salut. En tout cas, ouais, c'était une grosse guilde entièrement remplie de femmes. Oui. D'où le nom Amazon. Moi je pensais surtout à l'Amazonie, je me suis dit ça va être un truc sur la thème de l'Amazonie, le thème de l'Amazonie, puis en fait c'est juste des Amazon, ouais, genre guerrière quoi. J'aime bien cette poupée géante. Sympa. Bon bah voilà, hein. Je vous remercie d'avoir regardé tous ces épisodes sur les modes de l'Amazonian Hospital, et on se retrouve pour une prochaine vidéo des aventures de Tenko dans Fallout 3. A bientôt tout le monde.